La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer a bercé mon cœur. Regarde qui est là. C'est Nathalie. Sublime. For you. Première fois, je présente Opus Philosophia sur l'île de Ré et sur une île tout court, puisque ça n'a encore jamais été le cas. Le spot qui tiendrait comme ça, non, derrière. Vous mettre derrière. D'accord. Oui, non, ça oui, mais parce que j'ai un assez bon spot sans faire de choses. Cet endroit créé par Jean-Paul et Solange Giraudeau est un endroit exceptionnel, non seulement par rapport à son cadre, mais aussi par le fait qu'il est possible aux artistes de travailler sur place et d'échanger directement avec le public. Ça, c'est quelque chose de fantastique, c'est un immense privilège. Thank you.
toute la journée des gens qui viennent discuter avec moi de science, de théologie, de tout ce qui me passionne le plus, après la peinture, évidemment. En plus, je découvre cette île sublime et c'est un grand bonheur, un grand plaisir. Encore une fois, envoyer des tableaux à droite à gauche dans le monde sans jamais pouvoir donner au public une quelconque réponse sur les questions qu'il aborde en regardant mon travail, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Je veux être sur place, j'aime être là pour partager encore une fois et pour organiser les choses, pour montrer ce qu'est le travail d'un peintre. Chose qu'on a tendance à un peu évité aujourd'hui. On parle beaucoup de la photographie, on parle beaucoup des concepts artistiques, mais la peinture n'est pas morte et ne mourra jamais. Autant que ce que la cuisine reste un art, la peinture le restera toujours.